Are you in for the next Morocco Desert Challenge? Alors Axel, cette deuxième étape, petit souci de courroie dans la première partie sur les premiers 200 km. On a changé quelque chose et on a pu faire la deuxième partie de l'étape correctement, où on a bien roulé je pense sur la deuxième partie. Après on perd tout de même presque 20 minutes à cause de la courroie cassée. Et voilà, 400 km dans les pattes. Donc aujourd'hui, besoin d'une bonne séance de kiné pour récupérer. Et voilà, moi avec mon handicap, conduire en permanence avec les jambes, ça met pas mal de contraintes. Hein. Plus on va passer les étapes, plus on va s'avancer vers le nord du Maroc et plus je devrais intensifier les séances et plus on devra bosser. Parce que là, il n'y a pas encore de fatigue musculaire. Alors bien sûr, il y a le handicap, hein. Ça forcément c'est à bosser, hein. Mais même sans la course, on l'aurait fait. Mais il y a des contraintes et il y a des choses à aller voir. Il y a notamment son quadriceps, il y a les bras, les avant-bras. Je pense qu'on a mis combien de temps? 6 heures aujourd'hui? 6 heures? Et c'est pas 6 heures d'autoroute les gars. C'est 6 heures avec la poussière, avec des trous, avec des pierres, où il faut être concentré, où il faut bien tenir le volant. Donc voilà, tout ça, ça met pas mal de contraintes. Donc 6 heures de roulage, c'est quand même assez intense. Donc il y a beaucoup de choses à travailler pour essayer d'atténuer tout ça avant demain, quoi. Parce que demain, ça va vite. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une moto qui vient de démarrer. Et il faut savoir que c'est ça toute la nuit. Juste derrière, il y a les mécanos qui travaillent sur ma voiture, puisque 2, 3, 4 heures du matin, selon ce qu'il y a à faire. C'est réveil matinal déjà, et sachant qu'après, on enchaîne une journée de 8 heures de voiture, c'est quand même assez costaud. Là, une partie qui est vachement dur à gérer, c'est d'essayer de pas penser à cette douleur neurologique. Et plus je suis fatigué, plus elles arrivent.